Bonjour la famille, c'est toujours Bill Masclonique de Net TV, place Dini Masolo, y a bien ça les maca. Je prends ma main à couper et ma personne à témoin. Si Emmanuel Macron faisait appel à Ferre Gola, Ferre pourrait vraiment refuser l'appel de Macron. Ericho Atanabe, Macron a benga et Yotolingito Solola. Est-ce qu'il pourrait refuser? Et tous ces musiciens qui sont là, aucun musicien dirait non au président Macron. Même Boketcho Ayambo qui est en train de parler, qui est en train de pleurnicher comme un enfant. Si Macron disait, soit appelé Boketcho Ayambo et commandant Isso, chers amis, venez, je vais vous parler. Est-ce qu'il pouvait refuser? Il n'y a personne qui peut refuser l'appel d'un président. Surtout congolais. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle du peuple congolais. Mais c'est comme si Fally a fait quelque chose d'abominable. Parler au président Macron. Mes chers amis, il faut à un moment donné essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin. L'action que Fally a fait, toute personne, tout Congolais ne dirait en aucun cas non. Maître Gims a dit non, puisque lui n'est pas, c'était Congolais, mais n'est pas vraiment Congolais comme Congolais. C'est un homme qui vit sa vie hors de la population, de la communauté congolaise. Mais Fally Ipupa n'est grandi dans une condition précaire. Il connaît le Congo. Quand un gouvernement français porte l'attention à Messier Fally Ipupa, toute la communauté se bat contre Fally, s'acharne contre Fally. Mais aujourd'hui, Fally a présenté un message mystique au président Macron. Au lieu d'amener Macron dans des maisons climatisées, dans des coins luxueux, mais il a préféré amener Macron dans des quartiers périphériques pour que le président français puisse goûter la vraie vie congolaise, qu'il puisse vivre comment les gens souffrent, qu'il puisse sentir l'odeur du quartier, l'odeur qui sent dans des avenues congolaises. Un bon patriote comme Fally, il a fait, pour moi, il a fait un truc grandiose. Le père de Keïna Ipupa et de Kélia, je suis fier de toi. Moi, ton beau frère, j'apprécie ton courage. J'apprécie ton courage infiniment. Voir que tu as accepté. En tout cas, je vais zapper d'abord ceci. Tu es le premier musicien congolais entouré de la garde présidentielle française. Là où Macron était, il y avait des gardes présidentielles de la France. Tous ces gens que vous voyez là, que ce soit des Noirs, ce sont des gardes rapprochés du président. Ce sont des Français. Fally était parmi l'entourage là. Il était parmi la ceinture du président français. Au moins une fois dans sa vie, il a goûté l'entourage présidentiel. Il a goûté l'entourage présidentiel française. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut dire des choses comme elles sont. Et puis, ce sont les gens qui commencent à coller Fally à Ferre Gola. Soit disant que Fally est à l'autre côté, mais il n'est pas à l'autre côté. Les œuvres que Fally est en train de faire, si on voit bien, si on enlève la casquette de fanatisme, Fally, il est mille fois loin que Ferre Gola. Il faut dire la vérité. Ferre fait de la bonne musique avec sa voix. Mais à part sa voix, il n'est pas commercialisé. Il n'est pas un musicien commercial. Fally, c'est un musicien commercial. Fally a des trophées. Fally, il est le plus streamé. Il est le plus vu. Le plus suivi. Quand on va dans des journaux comme Forbes, je n'ai jamais vu faire dans des journaux de Forbes. Fally a toujours été là, peut-être 3-4 fois. Et puis Inosbia a déjà été là plus de 2 fois.
cas au compte le nombre de concerts que Fally est en train de jouer par rapport à faire, il ne faut pas faire des comparaisons inutiles. À partir d'aujourd'hui, il faut être sincère dans vos paroles, dans vos dires. Le nombre de concerts que Fally va jouer l'année ici, ça va être peut-être 10 fois plus que celui de Ferry Gola. Ça, c'est des réalités. L'année passée, 2002, Fally a fait plus de 50 concerts. Que ce soit les concerts réussis, échoués, les gens sont venus, soit les gens ne sont pas venus, mais ce sont des concerts joués. Mais qu'est-ce que Ferry nous a donné? Après un an de la sortie de l'album Dynasty Volume 1, il n'y a même pas un concert de la sortie de l'album, pas même un concert. C'est le seul musicien qui ment à la population, à ses fans. Il y aura album Kobima. Il y a des reports d'album. Soit disant qu'il a eu le producteur, Sony Music. Mais jusqu'aujourd'hui, Sony, si vous allez sur le site internet de Sony Music, il n'y a même pas le jour de la date. La maison de production même ne connaît même pas le jour de la sortie. Il n'y a pas l'annonce. Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis venu parler aux gens qui sont te Fally. Moi, je suis te Fally sur le plan familial. Quand il dérape avec les enfants, je suis contre Fally. Mais l'album Formule 7, qui va dire que l'album n'est pas bon? Les gens qui disent que ça, c'est monotonie, ils ont écouté ça pour que tu saches que l'album est monotonie, donc tu as écouté. Aujourd'hui, Charlie Prince, il a chanté. On l'a écouté chanter. Parce que Mayday, ce sont des belles chansons de l'album. On ne peut pas se dérouter, on ne peut pas se tromper de telles chansons. Ce sont des belles chansons de l'album. Il n'y a que les bourrus qui ne comprennent pas que Fally n'est pas les camarades de Ferry. Fally que vous voyez là n'est pas camarade de Ferry. Il n'a pas de comparaison entre ces deux gens-là. Même Bokechou qui est là, il sait bien que Fally, c'est notre qualité. Qu'il soit collabo ou non collabo, mais il est quand même meilleur que ceux qui ne sont pas collabo. Il est meilleur, il faut dire la vérité. Il est joué partout en Afrique. On connaît Fally Poupa. On connaît Fally Ferry où? Il joue où? Même au Bénin n'a jamais joué. Aujourd'hui, il a fait l'album, on le voit où? Mais on voit quand même Inosbi. Quand même, on voit Inosbi. Après, Fally Poupa directement, c'est Inosbi sur le plan international. Bokechou, moi, je vais me charger de toi avec commandant. Le jour, je vais me donner pour vous parler. Vous allez quitter l'internet. Puisque vous qui êtes là, vous êtes corrompus. Des combattants qui sont corrompus. Jusqu'à quand? Si vous êtes vraiment, vous avez souci du Congo, il faut aller vous battre au Congo. Si vous avez besoin vraiment du changement au Congo, ce n'est pas Fally, ce n'est pas Ferre, ce n'est pas Inosbi, ce n'est pas Jibé Koubé, Kofi, Vouerasson qui vont changer le Congo. Ce ne sont pas ces gens-là. Les gens-là sont limités. Il y a chaque chose à sauter. Il faut comprendre les signes d'État, monsieur Mboutnadi, ceux qui n'ont pas que Bokechou. Si vous continuez avec vos bêtises, je vous donne. Donc, je vais ma main à couper. Selon ce que je vois dans l'entourage, dans les sièges de Fally Poupa, selon ce que je vois, je pressens. Le jour où il va mettre son pied dans une salle mythique de l'Europe, il ne faut même pas y aller. Il ne faut pas y aller puisque vous aurez des douleurs, vous allez regretter toute votre vie. Si vous y allez, je suis sûr, c'est un ressentiment qui est dans moi. Si vous y allez, vous osez partir faire du désordre dans le concert de Fally. Selon ce que je vois maintenant avec les présidents, avec des présidents rwandais, tout ce qu'il fait avec tous ces gens-là, vous risquez de payer très fort. Vous risquez de payer très fort et vous allez regretter toute votre vie. Commandant Yusso. Et l'autre là, Bokechou Ayambo. Ça, c'est mon point de vue. Si vous êtes malin, il faut bien regarder. Faites vos vidéos sur les réseaux sociaux, mais ne sortez pas. Il faut être comme des youtubeurs.
Je suis fier de vous voir devenir des youtubeurs. Vous allez dire ce que vous voulez, mais n'allez pas faire des manifestations directes, sinon vous aurez des problèmes. Fally, il est devenu membre pur et simple du gouvernement français, puisqu'il les a rendus déjà service. C'est au gouvernement français maintenant de retourner l'assassin. À bon attendre, Fally. Fally n'est pas votre camarade. Il n'est pas camarade de faire rigoler. Il faut enlever ça. Il faut mettre au moins Inosbi à côté, puisque ce sont des deux personnes qui nous font des surprises inattendues. Inosbi, il est parti à Beverly Hills avec Jennifer Lopez, avec Ben Affleck. On a vu des surprises. Aujourd'hui, on a vu Macron avec Fally. Attention avec ces deux gens-là. Ce sont des hommes très forts. Fally Ipupa et Inosbi sont des hommes forts de la musique congolaise actuellement. Attention avec ces gens-là. Ça, c'est selon moi. Selon vous, je ne sais pas. Je vais arrêter la vidéo ici, tout en espérant que vous aviez aimé le contenu. Ce que je vous demande simplement et purement, c'est de partager la vidéo. Mettez les j'aime, mettez les likes. Mettez, si vous avez des commentaires, des suggestions, faites des commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, soit si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici, prière de prendre ne fût-ce qu'une minute, 30 secondes, de cliquer sur le bouton d'abonnement. Ça me fera plaisir, ça fera la chaîne plaisir et on va grandir ensemble. Vous qui êtes en France, en Belgique, au Congo, au Canada, aux États-Unis, à Chine, en Australie, vous savez bien que je vous aime trop. C'est impossible de citer vos noms, de faire des éloges de ce que vous aviez fait à la chaîne ici. Ce qui est sûr que je vous porte dans mon cœur. À la prochaine. Bye.